Oui, 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 mon Dieu. Stop. C'est le bordel. On va se calmer 2 minutes et on va mettre le titre. Ah, ça fait plaisir. Alors, Cuphead plus DLC, voilà. Pour fêter rien du tout en fait. Ah, ah bah si, le retour du tech en fait. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer, calme-toi. Silence! Ça, ça fait du bien de revenir ici. Merci pour tous les primes. Peewoo, Kinone, de l'Inarsenic et Dimilith. Oh, la musique tue! Bon, alors du coup, on va recommencer une partie. Et puis, voilà, pour fêter le retour du tech. Ça faisait longtemps que je voulais faire le DLC. Et on va recommencer du début. Voilà. Voilà, voilà. Merci pour tous ceux qui ont complimenté le tech d'hier, merci beaucoup. Ah bah vous kiffez, hein, forcément. Quand il y a les mascasses, forcément. Bien content d'avoir réussi à remettre en ligne tous mes tests en carton, hormis le 9. Ça ne saurait tarder. Bon du coup, on va tenter de finir pour la troisième fois Cuphead. Et de faire les DLC. DLC, ça sera totale découverte. Mais du coup, j'ai déjà fait le jeu 2 fois. Mais jamais en live, donc ça va être drôle. Et vous me direz si le son est bien. Normalement, ça devrait aller. Excusez-moi, je sais pas ce que je connais par cœur, mais je devrais laisser un petit peu. Mais pourquoi tout le monde me demande si j'ai terminé Dark Souls 2? Pourquoi les gens ne regardent pas les rediffs? C'est trop dur de cliquer sur vidéo pour vérifier? Plutôt que de faire perdre du temps aux modérateurs? Les pauvres modérateurs qui doivent répondre toujours la même chose, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi qu'en fait, allez-y, j'aime bien quand ils souffrent. Putain, je me rappelais pas que la trompe était aussi, aussi longue. Oh là là, mais le style visuel de ce jeu, putain. Ah, ça m'avait manqué. Je vais pas faire le gars, hein. La dernière fois que j'y ai joué, c'était pas pour le tech. C'était il y a 1 an. Je sais pas, un petit après-midi, je me suis dit, on va le refaire. Et là, du coup, on est parti pour la troisième run. Et j'ai vu la série Cuphead que je vous recommande. Pas dégueu du tout. Ah oui, non, mais le jeu est super beau. Hein. Tam Crapaud. Ce pseudo me fera toujours rire. Tam Crapaud, quoi. En fait, je devrais me rename sur LOL. Je devrais pas appeler Seven, je devrais m'appeler Azir Oiseau. Azir Pigeon. Alors, comment on joue? Ah, le fameux didacticiel! Ah! Est-ce qu'on va réussir à le faire? Le fameux didacticiel de Cuphead. Insurmontable pour les journalistes. Ah! Comment on fait? Ah oui, alors attendez. Oui, le son, vous m'avez dit que c'était bien. Hein. Au niveau du son. Parce que faut pas non plus que ma voix soit couverte par le jeu. Alors attendez.
Ça ne veut rien dire. Les touches, c'est de la... Oh là là, le bordel que j'ai fait au niveau des touches. Ah, je jouais vraiment comme ça, du coup. D'accord. Ok. Très bien. Allez. Oh damn, j'ai pas assez galéré à mon goût les gars, attendez. Ah oui, alors les pièces c'est important aussi, ouais, ok. Ok, est-ce que j'ai bien mis... ouais, catégorie Cuphead. Ok, c'est bon. Toujours la taux du Covid. T'es trop fort en fait. Oh arrêtez, arrêtez vous alors. Oh arrêtez. Alors, ouais bon, on a qu'une arme, logique. Je sais pas si on finira le jeu ce live là, parce qu'il est assez vénère, hein. Dans mes souvenirs il est assez retors. Et je n'ose imaginer la gueule des DLC. Hein. J'ai l'atout du Covid, ouais. Ouais, ouais. Ah oui d'accord, au calme, merci beaucoup. Non, lâche-moi, lâche-moi. Allez, j'ai envie de jouer, j'ai envie de casser des gueules. Alors dans mes souvenirs, il y a un niveau régulier et un niveau plutôt easy. Allez, on va le first try. Pas une fois je meurs, pas une fois. Attendez, c'est normal qu'on ait 3 points de vie? Je pensais qu'on en avait que 2. Ou j'ai collé. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, putain. Full 100% en S, let's go. Oula. Oula. Oula là. Est-ce que je peux te... Ouais. Je peux te sauter, comme on dit. Ah d'ailleurs, le rang S, je crois qu'il dépend de... Je crois que tu dois faire 3 sauts sur des trucs roses. Ça dépend de ça aussi. Hein. Oula. Ah, tu croyais que je l'avais pas vu. On me l'a fait pas, bif. Ah oui, d'accord. Oh my god! Oh le monde! Oh là 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 là, mais quelle maîtrise! Mini boss, ok. Regarde-moi ce petit enfoiré qui m'attend là. Non! On avait fait un no-hit! Kamehameha! Raté, j'ai raté. Allez. Allez, c'est pas grave. On me le banne. First try. J'ai un S. Même si je me suis fait toucher une fois. Oh non, on va avoir la note juste en dessous. C'est ça? La merde. C'est de la merde. Ah, faut reset, ouais. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux acheter des trucs? Moi, je me rappelle, j'ai toujours joué avec 3 armes. La bleue, la verte et la rouge. Le mec qui donne des dons selon leur couleur aux armes, c'est mignon. Jocelyn, 13 ans. Alors, moi, je joue avec celui-là. Et celui qui fait mal, là, celui-là. Ok, on verra pour le reste. Toujours aussi énervé ce cochon. Ok, alors ça dépend des boss, hein, évidemment. Généralement, je joue comme ça, moi. Avec ça. Ou alors, je remplace le vert par le bleu, ça dépend. Mais typiquement, le dragon vert, je me rappelle de boss. Oh, il y a des boss qui vont être... Je me rappelle du dragon vert, de la méduse et de la reine abeille. Ou même du dernier boss. Hein. On a rien. Oh putain, il nous faut absolument le dash invisible. Absolument. Il nous le faut. Il nous le faut absolument. Ouais, changer d'arme, je sais, t'inquiète.
Oh, il est... Oh, il est pas content. Oh, merde. Allez, envoie-moi ta carotte ou je sais plus. Non, c'est l'oignon qui pleure. Ça se voit d'y aller repousser. J'ai du mal à me réhabituer au bouton. J'aime tellement ce pouvoir. Bon, tu crèves ou ça... Ouais, j'allais dire. Bien joué, vous avez réussi le deuxième boss. Que peine après Dark Souls 1 et 2, cet homme aime souffrir. Et encore, Megaman 11 entre les deux. Que des jeux durs en ce moment, ça rigole plus. Ok, très bien. Un plus, merci. Merci Rémi Barre pour le deuxième mois. Je sais pas pourquoi le boss final me fait toujours flipper dans ses animations. Le démon? Oh. Attendez, mais la note max, c'est A plus ou c'est S? Ah, y a pas de S, d'accord, donc c'est A plus. Putain, ça y est, le mec qui sort de Sonic, il est matrixé par Sonic, ça y est. Qu'est-ce que c'est déjà ça? Ah ouais, c'est les deux crapauds. Oh putain. Oh, la musique est incroyable. La musique de celui-ci est incroyable. C'est fou. Moi je m'en bats les couilles des bonus et tout, je veux juste finir le jeu, moi je m'en bats les couilles. D'ailleurs ils étaient dans la série Cuphead hein, ces deux-là. Ah bon, je me rappelle plus de leur pattern, ça va être chaud ça. Je me rappelle plus des boss. Qu'est-ce qu'il fait? Putain. Ah. T'as le petit bruit du gun. Oula, 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 oula. Baxi. Je t'y bague. Ouais, non, mais là, il n'y a aucun skill. Hein. C'est les premiers boss. En plus, j'ai pas fait de parade. Là, il n'y a rien. Attendez. Vous allez voir dans une heure. Vous allez voir dans une heure, ça va être très drôle. Ah, moi, je me rappelle de boss bien retors. Hein. Franchement. Ah mais non, mais j'ai pas de pièce. Bah non. Si, je l'ai fini deux fois, Cuphead. J'avais dit ça au début du stream. Je l'ai fini deux fois, mais je voulais le refaire en live et surtout faire les DLC que je n'ai jamais fait. De toute façon, j'ai déjà dit, hein, la règle d'or sur ma chaîne. Pas de test en carton sur un jeu que je n'ai pas fini. Bah alors, tu rentres ou... Tu galérais sur quoi, FKB? Ah, let's go.
Ah les gars, on a fini Dark Souls 1, Dark Souls 2, Elden Ring, Mega Man 11. On peut le faire. Par contre, les DLC, j'ai peur. Hein. Je sens que ça va être hardcore. C'est une sorte de... de syndrome Dark Souls. En mode, t'as tous les boss les plus durs dans les DLC. Ça va être très drôle. Est-ce que je peux dash? Et je peux pas redash après, hein, même si je fais une parade, ok. Oh, je vous t-back tellement. J'hésitais à le faire en coop, mais je crois que la personne avec qui je voulais le faire n'a pas le jeu. Donc je me suis dit, autant le faire en solo. Attendez, me dites pas que c'est... c'est pas le personnage du DLC, ça? Ou son ancêtre, je ne sais pas. Le mec, il t-bag les boss dans Dark Souls. Les boss dans Cuphead, si ça c'est pas beau. Ah, nice. Je m'en occupe, madame. Voilà, comme ça, on a le Kamehameha et on a toujours pas de charme. Ah, ah oui, alors ça, c'est le DLC. Hein. Ah, c'est le DLC. On le fera quand on aura fini le jeu. Je pense pas... je pense vraiment pas finir le jeu en live. Hein. Pour le coup... Ah, c'est le tournesol. Ah non, non, c'est le boss le plus nul. Ok. C'est... enfin, c'est le boss le plus nul. C'est la grosse boule bleue, là. Ouais. Kirby Wish. Allez, on y va. J'aurais peut-être pas dû dire ça, je vais encore me faire karma. Oh merde! No! Oh no! Je vais me faire karma! J'ai first try tous les autres boss sauf celui-ci, tu vas voir. Regardez, regardez, esquive! Oh là 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 là! Oh merde! Ah! Elle a pris un petit smarties là. Retourne-toi de l'autre côté sinon, non? Oh putain, c'est trop risqué cette arme. Petit con, va. Petit con. Ouais, mais aussi, il a pris un... il a pris des stéroïdes. Il a pris un petit Smarties, là, vous avez vu, il est devenu baraque. Il a triché. Oh la vache. Oh merci Lightbox. Regardez, regardez-le. Dites-vous que j'ai failli lancer LOL. Hein. C'était soit Cuphead, soit LOL. Je pense que j'ai fait le bon choix. Mais ça va arriver, hein, le stream LOL, il va arriver. Hein. Et j'ai très peur. Ah, mais t'es tellement simple, mec. Évidemment que je vais te first try. Oh, mais il est d'une facilité, le gars. Il est trop il est tellement simple. Oh là là, il est tellement simple. Quel chien. C'est pas grave, c'est dans votre tête. Je me fais pas toucher en vrai depuis tout à l'heure. Oh le first try. Et no hit. En plus effectivement. Ah je n'ose imaginer la suite. D'ailleurs, il a pas mis un temps fou à sortir le DLC, on est d'accord. Hein. Le jeu l'est sorti quand? 2018 ou 2017, je sais plus. Et le DLC est sorti il y a pas longtemps? Ah oui. Merci, oui, merci. Ah oui, 2002, ça marche. Ok.
Ouais, 2017, ce qui me semblait. Ouais. Ah. Pardon? Ah oui, alors tu me forces à... Tu me forces du coup à... Ah oui, alors ça c'est pour être petit. Comment on fait pour faire les gros missiles qui tombent vers le bas là? Ah, je les ai peut-être pas encore. Ah, c'est marrant, je me rappelle de missiles qu'on tirait vers le bas, qui tombaient vers le bas, où j'ai rêvé. J'ai peut-être rêvé. Merci de Makirto pour le troisième mois. Non, j'ai pas testé Multiversus, mais apparemment c'est un beau bordel. La seule raison pour laquelle je vais y jouer, c'est parce qu'il y a Bux, le GOAT, avec RT. Ah bah y'a un souci alors. Alors, j'arrive pas à tirer les missiles vers le bas. Ouais, c'est marrant ça. Je pense que c'est une autre arme parce que... Alors, vous me dites RT, mais RT, ça ne marche pas. J'ai pas les mêmes touches que vous, je pense. Hein. Je les ai un peu, je vous avoue, customisées. Ah oui, alors c'est, il me faut quelque chose, on est d'accord, il me faut un truc. Wow. Celui-là, je me rappelle, il est... Putain, il est assez hard. Hein. Enfin, pour l'un des premiers boss, du moins. Ah d'accord, ah ça me suit, j'avais oublié ça. On va crever. Un point de vie. Oula. Ça c'est un Meniazou, je reconnais. Oh la vache. Je crois que les missiles vers le bas, c'est plus tard, hein, pour le coup. Oh putain, si ça commence comme ça. Ouais, t'es près du but. Si ça commence comme ça, c'est même pas la peine. Allez. Allez, monsieur l'arbitre. Oh la vache. Je fais pas assez attention au... Je fais trop attention à moi pour esquiver et pas assez au mouvement de l'ennemi là. Alors je me rappelle, il y a des boss vraiment hard que j'ai réussi à faire stride dans ma deuxième run, genre la méduse. Et pourtant il y a des boss assez easy que vraiment sur lesquels je galérais. Oh putain, il est rapide, hein. Le mouton est rapide. Oh mais toi je t'aime pas, toi. Je t'aime pas, Apollon. Tu comprends ça? Ah oui d'accord, oh la flèche elle me touche. Merde. Je sais plus si ça me rend invulnérable ma super attaque là.
Je crois que oui. On va voir. Faut vraiment que je fasse gaffe au... aux soucoupes. Alors regardez. Pourtant toutes mes touches sont activées. Et je peux pas envoyer les bombes vers le bas. Donc vous me dites RT, mais RT chez moi c'est la ruée. Je l'ai mis là, je préfère. Merci à toi Pierre Gilbert. Mon boss préféré sur ce jeu? Je sais plus, il faudrait que je les revoie. Je te dirai ça tout à l'heure. Je me rappelle avoir bien aimé le dragon. Mais il est pas ouf en plus ce boss, hein. Quelle honte. On va prendre de risques. On va essayer de garder nos 3 points de vie pour le boss final. Enfin la phase finale. Qu'est-ce que ce jeu est beau quand même, putain. Ah, what? Oh, c'est nouveau ça. Oh, alors attends. No fake, je crois que j'avais jamais eu cette forme. Je crois que je n'avais jamais eu cette forme. Allez, on y va. Cette fois, c'est la bonne. Oui, oui, baguette. Ah oui, en fait, les rouges s'activent quand je passe en dessous. Hein. Les Noit. On aurait pu avoir un A+ si on avait fait plus de parades. C'est pas grave. Et mais putain, merci Mimic pour le 4e mois, merci. Ah oui, t'as la liste, d'accord. On va voir le tuto. Pour les bombes. Une carte. Attaque ex. Compteur plein bombification. Ouais, et tu vois, ça fait rien quand j'appuie. Donc à mon avis, oui, il faut que je... Il me faut un truc. Oh, le bug. Ok. Tiens, bah y'a Jojo. À la base, je voulais jouer avec Jojo à ce jeu, mais... Je crois me rappeler qu'il l'a pas, donc je vais pas lui faire acheter pour un stream. Mais c'est vrai que je voulais le faire en coop à la base, Cuphead. Je l'avais fait un peu avec un pote, c'était bien des barres. Bon par contre, sans vouloir être méchant, je vais pas continuer la phrase que j'allais dire parce que je viens de me faire toucher, c'est un peu la honte. J'allais dire quand tu joues avec une grosse merde, c'est un peu handicapant. Ça la fout mal de dire ça juste après s'être fait toucher par Woody Woodpecker là. C'est assez honteux. Ah mais ce qu'il me faut, il me faut absolument le dash invisible, il me le faut. Ah ouais, non, il me faut le dash invisible.
Non, reviens. J'ai besoin de ma para, Jackson. Ouais, il va vraiment falloir que j'achète les armes que j'utilise habituellement. Allô? Ouais, j'allais dire. Oh là là, l'ultra instinct, l'esquive, la maîtrise. Je devrais fermer ma gueule. Chaque fois que je dis ça, je me fais Sodome et Gomorre. Oh la vache. Ouais, puis là, elle est pas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Oh le bas. Oh alors ça. Ça c'est pas très gentil. Allez, ça dégage. Allô? Oh. M'a fait stresser. Du coup, pourquoi il a une tête avec une paille? Parce que c'est une tasse? C'est une tête de coupe? Jojo, qu'est-ce que c'est que cette question? Merci, Hydratlehead. Salut, j'ai pas suivi tes lives sur Dark Souls 2, alors ton avis? Il y a les rediffs, hein. Mais mon avis, c'est que le jeu est bien. Et je trouve que les gens sont un peu durs avec lui quand ils disent qu'il est à chier. J'ai trouvé beaucoup moins nul que ce qu'on m'a dit. Il y a des défauts, c'est sûr. Bon tech au fait, merci Jojo. Merci. Hein. Merci pour ton approbation. Tu vas vraiment m'obliger à acheter un truc pour... Ah bah c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah les couilles. Oh, pas mal ça. Allez! Moi je continue. Ah, c'est bon enfant, hein, bonne ambiance. Ce qui contraste totalement avec ce que te font les boss, analement parlant. Oh putain, j'ai oublié d'activer... J'ai oublié de m'équiper. Erreur de débutant. Trop fort ça. Un épisode sur Fall Guys, j'en sais rien du tout. Pourquoi pas? Là pour le coup je dis pas non. Il y aurait moyen. En tout cas des lives sur Fall Guys j'aimerais beaucoup. Ah d'accord, donc on peut pas péter les... Ça c'est la musique d'Axioul ça. Il aime tellement ce son. Ah oui d'accord, tu mets les deux en même temps quoi. Encore? Ah oui. Oh, et puis il y a en bas, faut regarder en bas, putain, faut regarder partout. Hein. Oh là là, faut regarder partout. Hein. Oh là 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 là.
Vous êtes sérieux, monsieur l'arbitre? Vous me faites toucher par un truc qui est même pas dans l'écran? Monsieur l'arbitre, vous foutez de ma gueule là? Vous m'encouragez à faire une parade pour crever après? Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Oh, il est mat que peine. Hein. Putain, c'est dingue, hein. Salut Skull Kid. Ah mais les gars, putain. Voilà, j'ai regardé Jojo dire elle est où la balle sur le chat. Putain, bannez-le. Bannez le modon en chef. Il me déconcentre. En plus, il spam. Oh. Pas prendre de risque. Tu veux pas crever toi? Ouais, j'allais dire. Alors, c'est un peu le défaut de cette attaque, c'est que tu vas pas où tu vas, mais. Non mais, il spamme les boules de feu, monsieur l'arbitre, il spamme les glands. Putain, je t'enlève rien ou c'est moi, là? Oh, le no-hit. J'ai adoré la dernière vidéo sur Mario Strikers. Tu as toujours de très bons jugements sur les jeux. Bah ça après c'est subjectif. Mais merci à toi Château Ambulant. En espérant que tu apprécies ton aventure sur Cuphead. Toujours. J'aime bien Cuphead. Y a pas de bons et mauvais jugements dans mes vidéos. Hein. C'est juste mon avis. Hein. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui surkiffent le jeu. Mais après bon y a des défauts évidents. Ah, ça y est? Ok, on a fini le premier monde. Allez, deuxième monde, let's go. Là, ça se corse vraiment, là. Oh, cette musique, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ce banger, écoutez ça. Comment tu as eu l'idée de mettre la voix de Morcel et Mascasse? Pour moi, c'était une évidence. En fait, je dormais et j'ai rêvé, et Dieu m'est apparu. Non, pas du tout. C'était juste une évidence. C'est mon imagination, la con. Fichtre, vous en êtes sûr? Mais je me rappelais pas de ça, là, cette cinématique, là. Elle y était? À l'époque, je me rappelle pas de ça, hein. Ou alors, c'est moi qui suis totalement du père et ça y est depuis le début. D'accord, alors, vous voulez que je vous ramène votre quatrième personnage, d'accord. Oh non, alors lui! Oh putain, alors celui-ci! C'est l'un des boss sur lesquels j'ai le plus galéré, celui-là. Oh là là. Non. Encore un bug. Mes viewers peuvent en témoigner zéro fois. Ne commence pas à me faire chier.
Alors celui-là, je suis d'avis à d'abord faire un stage run. Ah, puis il y a celui-là aussi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah bah voilà, ok. Voilà, là on a les bombes. Ah ouais, celui-là est vraiment stylé pour le coup. Celui-là est vraiment stylé. Le génie. Et là on a les bombes du coup. Oh la vache. Wow 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 wow. Il s'arrête quand ton coffre là? Mais... Monsieur l'arbitre, c'est légal ça? Au secours. Oh yes sir. Oui. Ce streamer m'épouse pour dire merci à Erwan qui a donné son prime. C'est un streamer professionnel. Calmez-vous. Ah, oh, je pensais que je pouvais le parade. On en est là. Ah oui. Tu veux que je te prête mon sarcophage, il a mis le boss. Il est en train de me taunt, là. Ok. 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 Oui, bah encore plus d'attaques. Encore plus d'attaques, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Encore plus, voilà. Oh la vache. Je me rappelle pas qu'il était aussi long, lui. À la limite, je regarde même pas le boss, je regarde le personnage, quoi. Oh, le bâtard! Il est esquivé. Bon, alors, est-ce qu'on peut éviter de... perdre une vie dès le début? Ce serait cool. Mais c'est moi aussi, pourquoi je joue qu'à des jeux durs là? Moi je te dis, ça va pas traîner, on va vite jouer à un Dora ou un Fort Boyard, c'est moi qui te le dis. Ou un petit Pokémon, je sais pas. Ça va, c'est pas non plus... C'est pas non plus les patterns les plus compliqués là. On est pas sorti de l'auberge hein. Alors je garde ma super attaque pour la prochaine. Ok. Dès qu'il arrive, je le massacre. Let's go! Oh la vache. Toujours plus d'attaque. Ah ouais, alors là je me rappelle c'est hard. Je sais plus pourquoi c'est hard. La pyramide. Ah ouais putain. Oh la vache. On peut le faire. Oh, ok, ça va. Ouais, j'aimerais bien faire Pokémon Emerald. Figurez-vous que j'ai jamais fait de ma life. J'ai juste fait Ruby Saphir. Après, j'aimerais bien faire aussi... Comment ça s'appelle cette version? Version Uranium, non, je crois. La version des fans, j'aimerais beaucoup la faire. Et puis faire des Pokémon que j'ai déjà fait avec vous en live.
Y'a pas moyen d'aller plus vite sur la map, je sais plus. Ah non, hein. Je pensais. Mais où est-ce qu'il est ? Monsieur le marchand ? Ah, il est là. Platine, je l'ai déjà fait. Je l'ai, Platine, c'est comme ça que j'ai découvert la quatrième gen. Enfin non, j'ai découvert la quatrième gen avec Perle, que j'avais emprunté à ma sœur. Et après, j'ai racheté le jeu, mais j'ai racheté Platine et j'ai spammé Platine. Un de mes jeux préférés. Bah, je m'en bats les couilles, en fait, du coup, j'ai... Allez, le vert et le rouge, let's go. Ah, je sais plus si pour celui-là je prends le vert et le bleu ou le vert et le rouge. Voilà, c'est indispensable d'avoir le dash. Ok, d'accord. Ça n'arrange pas nos soucis par contre. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu t'y attendais pas, hein? Oh non, putain, pas. Tu vas me courir après, non? Ouh là là. Ah bah d'accord. Et elle me tire dessus, hein. Oh là là. Connasse. Allez, on y va. Non, pas la gaufre. Pas la gaufre. Pitié, pas la gaufre. Non! C'est même pas la peine de continuer. On s'est fait toucher deux fois dès la première phase. Toi, je t'aime pas, toi. Je t'aime vraiment pas, toi. Quoi? Oh, il y avait un ennemi? Toujours plus. Toujours plus. Il y avait un ennemi, hein. Il lâche des petites merdes, en fait. Je voulais le parade. Je voulais le parade. J'ai fait le con. Ah, comment il remonte sa salopette à chaque fois que Ped... Oh, il en a gros sur la patate. Hein. Ah, on s'en bat les couilles. Hein. On joue nos brains. Bon, après, c'est pas l'attaque qui fait le plus de dégâts, malheureusement. C'est sûr. Tu aurais bien touché la 6G si tu l'as jamais fait. Mais j'ai fait toutes les gènes Pokémon, moi. Je les ai toutes fait. Mais XY, c'est pas la meilleure, hein, clairement, pour moi. Elle est pas dégueu non plus, mais c'est loin d'être la meilleure pour moi. De toute façon, la plus sous-cotée, c'est la 5. C'est la moins vendue, alors que c'est juste l'une des meilleures, quoi. C'est peut-être ma gen préférée après la 2 et la 3. Je la mettrai ex aequo avec la 4ème, moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et ne me parlez pas d'une soleil. Par pitié, plus jamais. Je veux plus jamais revivre ça.
Mais XY, en vrai, j'avais dit que c'était moyen, mais je l'ai refait il y a quelques temps. Et je dirais que c'est même plutôt bon, XY. Surtout quand tu vois la gueule de Lune Soleil et de Épée Bouclier. Putain, je l'aime pas, lui. Ah, la 3G incroyable. Ah, c'est dans laquelle que ça ressemble plus à des outils et des meubles, les Pokémon. C'est dans la 5G, je crois. Celle que j'aime beaucoup. Il y a un Pokémon clé et un Pokémon... Ah non, le trousseau de clé, non, c'est dans XY. Je crois. Je sais plus. Bon, après, des Pokémon pas ouf, t'en avais aussi dans la première gen. Il y en a qui font un peu les nostalgiques à dire que dans la première gen, il y avait que des bangers, mais... T'avais quand même de la grosse merde aussi, hein. On va pas se le cacher. Oh non. Oh, qu'est-ce qu'elle est hard. Putain, ce que c'est hard. Je... Oh la vache. Ouais, le trousseau, c'est XY, quoi. Oui, j'ai regardé South Park, ouais. Attends, j'ai pas le temps de voir les messages. Ça défile trop vite. Ah non, je parlais plus, non, je suis concentré. J'ai pas le temps de voir les messages. J'ai vu quelqu'un parler de Rayman 2, Rayman 3. Je suppose que tu me demandais si j'allais refaire un texte sur Rayman. C'est bien possible. Puis je peux pas remonter la conf parce que là je suis sur PC et si je fais ça, bah on est... le jeu bloque. Et mais Rayman 2, Rayman 3, j'aimerais bien les faire en live également. Pour le coup. Le jeu a une VF ? Je crois pas. Ah oui, ça fait ça. Enfin, c'est traduit en VF du moins, mais... Encore heureux, j'ai envie de te dire. Ouais, Rayman 2, c'est... Je pense c'est mon premier jeu PC. C'est soit ça, soit Half-Life, ou Giant Season Kabuto, je sais plus. Mais les trois, je les ai fait quasiment en même temps. Sachant qu'ils sont pas tous sortis à la même époque, mais... Je me rappelle... Alors, attends, il faut m'expliquer, là, attends. Là, il faut... What is the shit? On va se concentrer là parce que le ballon bleu ça fait deux fois qu'il nous touche, c'est un peu chiant. Ah oui, d'accord, donc d'accord. Tu as décidé de. Ah, il faut pas les taper en fait. Très bien. Salut Mouek. Bon, ok, allez. Ça, ça sent le stage de merde. Allez. Allez! Moi j'ai buté ma lignée en 1v1, j'ai first Rymanus. C'est pas des petits ballons de merde qui vont me... Allez. Allez. Oui oui baguette. Ah ça va, encore plus de décors au premier plan les gars, encore plus s'il vous plaît. Ah ouais, alors attention là. Ok. Alors attention. Oh
Oh les petits saligots quoi. Quel con. J'aurais jamais dû le... Oula. Il m'envoie des canards. Dire qu'à la base ce jeu devait juste être un... un boss rush. Moi je trouve pas mal moi les... ces niveaux là. Allô? Ouais. Ah c'est comme dans Mario, ok, il faut éviter les flammes de Bowser. Ah mais c'est musique banger quand même. Excusez-moi mais il faut en parler. Bon, qui m'envoie de la mayonnaise depuis tout à l'heure là? Oh l'esquive. Failli crever mais c'est pas grave. Ah c'est toi. Oh putain ça me rappelle ce film. Comment s'appelait ce film chelou là? C'était pas Sausage Party? Oh ce film putain. Oh ce film. Ce film si cursed. le oui de Tati avec les points de suspension. Oh ce film. Oh là là ce film. Sausage Party putain. Ah c'est... Je sais pas si vous voyez la scène finale où en gros ils se baissent tous. On l'avait regardé avec des potes. Plus personne dans la pièce ne parlait. Plus personne ne parlait. On était deux à être morts de rire. Et les autres ils étaient en mode c'est gênant quand même. On l'avait vu à 4-5, je vous rappelle. Ouais, j'étais mort de rire sur la scène finale. C'est vrai que c'était quelque chose. À ne pas voir avec des gosses, hein, sur cette partie. Par pitié, ne faites pas ça. Merde, j'ai tué l'eau. Alors, ce boss est assez horrible, puisqu'on tue littéralement tous ces gosses. Oh là là, mais c'est incroyable. Hein. Putain, l'animation des boss est... Putain la DA. Un divertissement pour toute la famille. Ah ça. Il y a des fois tu regardes même pas le boss, hein, tu regardes juste... Let's go. Encore. Jojo, j'ai failli lancer LOL en stream, voilà. À deux doigts de me faire maudire, de tomber dans les abysses. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un vilain petit canard. Oh! Oh! Prenons notre temps. Est-ce qu'on peut te faire first try, monsieur? Ah non. Ok. Je me suis fait éclater. Alors, dans mes souvenirs, il y a une autre phase avec deux oiseaux. Oh là 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 là, mais quelle merde. Voilà. Oh la vache. Oh là là. Oh là 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 là. Bon bah loupé pour le first try. Je vois pas de quoi tu parles. C'est notre première partie là. Griffus peut confirmer. Alors, je sais plus si les parades te permettent de gagner en jauge en bas à gauche. Fais voir. Merde, j'ai tué. Faudrait que je vois... Fais voir. Ah bah, de toute façon, je suis déjà au max. Ça, c'est un peu con.
Je suis déjà au max, c'est un peu con. Alors, fais voir. Ah oui, ça fait gagner beaucoup de... Oh, la musique. La parade fait gagner pas mal de jauge, hein. Clairement. Mais il fait chier lui, hein. Non, Zinedine. Oh. Allez. Merde, pas de no hit. Ok. Regardez-moi cette mort horrible. Ah, ils sont en train de le saler. Ah, c'est vraiment des... Et ça me fait rire. Ah, sérieux, les animations sont vraiment... oufo. Merci pour les GG. J'ai pas fait ce Mario-là sur DS. D'ailleurs, j'avais placé... un moment dans mon test en carton d'hier, j'avais parlé de Mario Volleyball, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était Mario Spikers, développé par Next Level Games d'ailleurs, qui a été cancel par Nintendo parce qu'il était trop violent justement. Et moi je suis persuadé qu'ils les ont tenus par les couilles, hein, pour ce Mario Football, c'est évident. C'est évident. C'est déjà arrivé que Nintendo il les calme. Parce que soi-disant, d'après eux, c'est trop violent. Alors attendez. J'ai eu un problème avec ma manette. Et pour le coup, c'est pas une excuse. Ok, c'est bon, let's go. C'est le vent, j'avais pas d'élan. Violent, verbalement peut-être s'il y a des mascasses, c'est sûr. Ah, les mascasses... Oh là 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 là, le triple kill! Venez vous battre. T'as un Cuphead, il est vraiment en mode venez vous battre. Ouais, d'ailleurs, Mario qui joue au ballon 2, il y a des mecs qui ont pas compris la blague. Ils étaient en mode bah non, du coup c'est Mario qui joue au ballon 3 vu qu'il y a eu un épisode GameCube. Bah non, j'ai appelé Mario qui joue au ballon 1 l'épisode Wii. L'épisode GameCube, c'est Mario qui joue au ballon 0, voyons, évidemment. D'ailleurs, j'en ferai un tech, je pense, un jour, de Mario Strikers. Enfin, de Mario Smash Football. Oh non, pas le dragon. Oh putain. Pas le dragon. Bon, on a fini ici, du coup. Oh non, putain, il faut qu'on fasse... Oh là 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 là. Alors celui-ci, je me rappelle, il a une musique incroyable, peut-être ma préférée du jeu. Mais il est hardcore. Ah ouais, faut gérer les canards et tout là. Oh là 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 là.
J'ai jamais fini Cuphead. Eh ben continue, persévère. Tu peux le faire. D'ailleurs Johnny, qui se plaignait de pas avoir fait de top 1 sur Tetris, ça y est, il l'a fait ou pas? Est-ce que Johnny est sur le live? Ok, là c'est le fameux moment, annonce pas encore le train. Oh là là, mais regarde-moi ce bordel quoi. Oh là là là, what the fuck? Oh la vache. Le piège à con. Ok, dernière phase, je crois. C'est le manège. Alors là, on a la super attaque parfaite pour ça. Si on se met au centre, il se fera toucher par toutes nos balles. Ouais. Oh la vache. Oh la vache. Ah la DA est vraiment ouf hein. Tu l'avais jamais fait je crois ce jeu. Il est assez cool. C'est pas passé loin non. Toujours le T-bag. Putain il faut vraiment regarder partout hein. On est qu'à la moitié du jeu et ouh. Compliqué hein. Jamais, peut-être un jour. À la base, je voulais qu'on le fasse en coop, mais puis je me suis rappelé que tu l'avais pas. Je me suis dit, je vais lui faire acheter un jeu pour un jeu qu'il a pas forcément envie de faire. Alors, non, 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 non. Oh le canard. Oh le canard. No. Gros canard. Est-ce que je peux le taper lui? Tu vois? Ah oui, on peut le taper, hein, ouais. Monsieur l'arbitre. Mais non, mais j'ai fait la parade. Non, je demande la VAR. Franchement la VAR là, clairement. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est pratique, tu vois. Ça c'est très pratique. Non. 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 Ça je suis vraiment pas d'accord. Putain, on se croirait dans le... Dans les niveaux de Mario avec les canons là. On n'est pas fameux hein. Allez. C'est quoi déjà la super attaque de ce truc? Oh merde. Ah c'est un shield. Mais il marche pas du tout. Ah non c'est pas un shield. En fait tu touches les mecs qui sont autour de toi. C'est pas un shield. Bon on aura vérifié. Je suis mort pour ça hein, parce que je testais évidemment. Seven qu'est-ce que tu penses du judo? Oh les questions. Ça me rappelle la question de Zephyr. C'est quoi ton record de dommages sur Elden Ring? Ah écoute le judo moi j'aime bien. J'aime bien le regarder.
J'en ai fait gamin. J'avais pas kiffé en faire en vrai, mais j'aime beaucoup regarder aux JO. Prochaine question. Quelle est ta pointure? Quelle taille fais-tu? Tu préfères l'Evian ou la Volvic? La team Evian, mon gars. Sacré bordel quand même, pas se le cacher. Eh ben dis donc mon cochon. Eh ben dis donc mon cochon. Ça va qu'on a cette attaque, on peut bien tricher comme ça là, j'aime beaucoup. Quel con. On peut bien tricher comme ça là, c'est parfait. J'aime beaucoup. Les rageux diront que c'est cheaté, les mecs sensés diront que c'est du skill. Anime ou série? Les deux. Les deux. J'aime bien les deux. Oh, on était vraiment à la fin, quoi. Mais si je devais choisir, je dirais série. Mais ça, c'est parce que j'ai pas vu beaucoup d'anime. Faut que je me fasse l'attaque des titans. Ça m'a toujours attiré. Malheureusement, c'est le syndrome... Avatar, quoi. Tout le monde t'en parle. C'est comme Game of Thrones. J'ai mis 4 ans avant de m'y mettre, Game of Thrones, parce que putain... Tout le monde t'en parle, là, H24, oh là là. Mais sinon, en anime, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu quand même quelques trucs. Dragon Ball, évidemment. Meilleur anime et manga de tous les temps, désolé. Full nostalgie. Moi j'ai grandi avec ça. Alors que c'est pas ma génération hein, de base, hein. C'est plus la génération de mes grands frères. Jojo, évidemment. Black Lagoon. Oh putain. One Piece. Alors One Piece, voilà. Je me suis arrêté, je vous l'avais déjà dit, je me suis arrêté à... à l'arc Ener en anime. Et en manga, je me suis arrêté à l'arc... il venait de rencontrer Brook, je me rappelle. Et j'aime beaucoup One Piece, c'est juste qu'il y a 36 000 épisodes et... c'est compliqué, quoi. Mais je regarde de plus en plus d'animes, j'aime bien. C'est par manque de temps, je... Avec tous les films et les jeux et les séries que je bouffe à l'appel... alors attendez. Ah ouais, alors ici ça sent la merde. Oh le Kamehameha que je t'ai calé dans la gueule! Oh j'aime bien l'anime One Piece moi. Après, quand je disais Dragon Ball, les gars, je parlais de Dragon Ball Z. Hein, pour faire préciser. Et Berserk, évidemment, que j'ai fini... Alors, vous m'avez dit anime, c'est pour ça que j'ai pas dit Berserk. Hein. Et Berserk, c'est devenu l'un de mes mangas préférés. J'ai toute la collection, j'ai tout fini. Je voulais poster un tweet, d'ailleurs, à propos de ça. Mais Berserk, masterclass. Mais j'ai pas vu l'anime encore. On y est, ça y est. Le fameux dragon... sur lequel j'ai tant galéré.
Là, ça... Ouh, ça commence bien là, j'aime beaucoup. Ça commence bien. C'est le boss final de la partie 2, je crois. C'est quoi ça déjà? Ah oui, d'accord. Putain, c'est vraiment un jeu où tu peux pas lire ton chat, quoi. Je sais, c'est dur. Mais moi, l'anime Berserk, on m'a dit qu'il était pas incroyable non plus. Hein. Enfin, du moins le dernier, là. Enfin, les films. Après, l'anime, le vieil anime a l'air pas dégueu du tout. J'aurais jamais dû faire ça. Au-dessus du vide, c'est complètement con de faire ça. On dirait une musique. On dirait une musique de The Mask. Oh non, monsieur l'arbitre. Ah, et là c'est le fameux moment. C'est les trois dragons. Oh là là, mais la DA, mais regardez-moi ça. Alors ah oui, non, je viens de me rappeler pourquoi c'est de la merde le truc vert ici. Si tu touches ces trucs, ça explose. Oh là là là. Ah non, c'est une horreur. Ah ouais, on va prendre le bleu. On va prendre le bleu et le vert. Ouais, je me rappelle qu'ici j'avais joué le vert et le bleu. Berserk, l'un des plus mangas niveau dessin, et pourtant possède un animé avec la 3D la plus claquée au sol que j'ai jamais vu. Il y a un truc qui m'a dérangé dans les films, moi aussi. Après, l'ancien anime, qui date de 80-90, je crois, a l'air assez beau. Mais clairement, Berserk, masterclass. Hein. Je n'en doutais pas, hein. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre. Ça faisait un petit moment que je voulais m'y mettre à Berserk. Plusieurs années même. Oh, ils sont chiants, ils sont chiants ces petits trucs. Moi, ce qui est chiant, c'est quand tu sors de l'écran, le jeu considère que tu ne tires plus. Du coup, là, par exemple, vous voyez, je tirais, et il n'y a plus de balles qui sortent. De mon gun, j'allais dire, de mon doigt. Ok. On a nos 3 points de vie. Par contre, c'est... Ouais, c'est très dur à faire. Ouais. Voilà, 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 voilà. Voilà pourquoi il faut pas utiliser le verre ici. Oh la vache. Merde, je voulais descendre. Pas comme ça, Zinedine. Oh, Zinedine. On était à la fin, c'est ça? Oh la vache. Il est dur. Allez, on lâche rien. On lâche rien. Il me rappelle... Putain, j'ai l'impression d'être le seul à connaître ce dessin animé. Est-ce que vous vous rappelez d'un dessin animé où il y avait un dragon vert?
Le héros, c'était un dragon vert. Je me rappelle plus du nom de ce dessin animé. Putain, bah d'accord, ok. Alors attendez, laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier. Oui, allez, c'est toutes les photos, il y a un palmier, d'accord, allez. Non, c'est pas Denver. Oh, c'était un dessin animé, en gros, c'était le fils d'un roi et... je sais plus, ça me fait chier, à chaque fois que j'en parle, les gens me croient pas, je connais pas. Ah, c'est ça! C'est Tabaluga! Ah, c'est ça, il y en a un qui l'a dit dans le chat, effectivement, c'est ça. Je sais pas pourquoi je connaissais cette merde. Je sais pas si c'est connu, mais à chaque fois que j'en parle, on me dit... qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Un dragon vert. Il est complètement con. Hein. Il est sous acide. Hein. Faut arrêter. C'est comme le moment où je raconte à mes potes que j'ai été challenger sur LoL. Ils s'en rappellent pas, bizarrement. Alors que c'est arrivé. C'est bizarre. Il y a des choses comme ça qu'on oublie. Oh, ta gueule. Oh ta gueule là, avec tes boules de feu là. Ouais, celui-là je me rappelle, j'avais galéré, hein. Ah, les animations sont tellement stylées, y a pas à dire. Hein. J'ai fait 3 fois le jeu, c'est toujours un kiff. Puis c'est les idées aussi, l'idée des petites boules de feu qui sortent de la bouche du dragon, hein. C'est une bonne idée, je trouve. Je me demande ce que ce sera quand même leur prochain jeu aux développeurs. Maintenant qu'ils ont fini avec le DLC. Ça. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ah, j'ai pas de frame de sensibilité. D'accord. Mon cauchemar de l'île 2, c'était le piaf. Ah, le piaf bleu là. Ah, comme quoi. Chacun ses petites difficultés, c'est ça qui est beau. Ah, celui-là, je me rappelle, à chaque run, c'est la galère. Autant tu vois, il y a des boss sur lesquels des fois je galère et des fois non. Typiquement la méduse. La méduse, je me rappelle que j'avais galéré lors de ma première run et puis lors de la deuxième, j'ai le first try. Mais celui-ci, j'ai toujours galéré. Oh, la maîtrise, putain! Faut que j'arrête de faire le con avec la super attaque. Oh non! J'ai esquivé de l'autre côté. Je voulais esquiver vers la gauche. Mon mauvais. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai voulu sauter, mais je suis passé à travers le nuage. Le boomerang est une excellente arme pour cette phase aussi. Ouais, je m'en doute. En plus, je crois que c'est l'arme qui fait le plus de dégâts dans le boomerang. Si je dis pas de conneries.
Allez, on va y arriver, c'est une question de temps. Alors j'aurais peut-être pas dû utiliser deux cartes. J'aurais peut-être dû en utiliser une seule. Je sais pas si on pourra lui faire l'attaque spéciale dès le début. C'est vraiment des petits bâtards eux. Hein. J'ai glissé, chef. J'ai glissé. J'ai glissé, chef! Merde! Allez, c'est pas perdu. Oh non! Oh non! Oh là 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 là. Ce boss est très très dur. C'est my bad, j'ai glissé tout à l'heure. Grosse glissade, ouais. Ouais, on est d'accord. Sacré glissade de ma part. Ah d'accord. Comment tu veux qu'esquive ça, mec? Compliqué. Je pense que c'est même pas la peine de continuer. On s'est fait toucher deux fois. Faut qu'on arrive à la phase 3, pardon, avec au moins 2 HP, je pense. Allez. 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 Par le pouvoir de l'amour, de l'amitié, et surtout, des subs. D'accord. D'accord. Faisons comme ça. D'accord. En fait, je devrais rester sur le côté gauche. Voilà, comme ça, la queue est à gauche. Elle me gêne pas. Ah, vous voyez, ça marche. Merci pour le Prime, Edarux. Et il est pour toi, Stry. Ouais, mais aussi, il fait chaud. Mes mains glissent. C'est la faute de la manette, j'ai du ping, je joue en wifi. Je joue en ADSL. Puis il y a du vent, ça me fait dévier mes doigts sur les touches. Voilà. J'ai pas d'élan. Putain, il est hard lui, hein, vraiment. Alors peut-être. Ah, vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps, on va la voir. En même temps, il n'y a pas vraiment de suspense, le jeu j'ai déjà fini. Je me répète, mais putain, cette DA. Avec
le petit château là derrière. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas foutus de notre gueule. Ça a bien la gueule d'un boss final d'une zone, ça. Allez, est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je dois jouer à Dora après, là. J'ai pas que ça à foutre. Mais c'est un sac à PV. Oh là là, c'est un sac à PV. Hein. Oh le first try no hit. Oh le first try no hit. Ah là là. Ouais, dans mes souvenirs, lui, il est très galère. Voilà. J'ai soif.